Salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une vidéo coup de gueule euh, enfin un coup de gueule, mini coup de gueule on va dire c'est pas un gros coup de gueule euh, concernant les films protecteurs euh, pour les Xiaomi Mi Band euh, 5 voilà ça fait déjà le deuxième ou le troisième que j'installe euh, un film protecteur sur le Mi Band 5 et euh, comme je vous ai déjà montré quelques fois où j'installais quand même enfin, où j'installe encore même pas mal de films protecteurs que ça soit sur les montres que ça soit sur les tablettes les smartphones euh, ou peu importe ou la la Nintendo Switch ou euh, enfin voilà plein de plein de choses où on peut installer des des films protecteurs euh, là, c'est un petit coup de gueule quand même. Euh, ça fait quand même euh, le, le deuxième qui, qui part comme ça. Euh, alors déjà, une première chose, c'est assez compliqué d'installer un film protecteur sur un bracelet connecté, que ce soit euh, chez Xiaomi ou d'autres, hein, euh, parce qu'il euh, y a d'autres marques, il y a les marques Huawei, <coughs> euh, et puis d'autres, hein, etc. Mais euh, là, le fait que ça soit un film protecteur avec des bords arrondis, alors attendez, je vais le prendre comme ça, je vais vous montrer avec des bords arrondis. Voilà. C'est carrément la merde parce que en fait ça, euh, alors ça se centre, oui et non. Euh, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc moi qui mets euh, des gants souvent en latex pour éviter qu'il y ait des traces de doigts, de la poussière qui vient se mettre en dessous. Enfin surtout des, des doigts. Euh, voilà. Et euh, eh ben c'est, ça se met. Par contre après euh, ça se met bien. Euh, après il reste euh, des fois une bulle. Alors la bulle on arrive à l'enlever. Par contre en une semaine ou une semaine et demie, la plupart du temps. Alors là ça fait déjà le ouais, deuxième ou troisième ou le troisième et ça fait exactement la même chose. Il y a euh, un passage d'air qui se fait en dessous, et ensuite on a de la poussière qui vient se coller dessus, et ensuite à un moment donné il se décolle tout seul. Donc à quoi ça sert d'installer un film protecteur qui n'arrive pas à rester collé sur euh, comment dire sur le bracelet mi 25 Ben pas grand chose parce que euh, au bout d'une semaine et demie s'il faut le rechanger. Et en réinstaller un autre, euh, on ne va pas passer son temps à changer de... Voilà, c est, c est, à la base c'est fait pour protéger. Alors c'est vrai que si euh, il prend un coup et que ça casse ou que ça règle le machin, c'est pas grave, on le prend, on l'enlève, on le change dans ces cas-là. Mais là, il ne tient carrément pas. J'avais déjà fait cette remarque concernant sur des, sur des films protecteurs sur la Xiaomi Mi Watch Color, où il a fallu quand même que je réussisse. Enfin... J'aurais dû refaire une vidéo, je ne sais plus si je l'ai faite ou pas, mais euh, où il y avait plein de problèmes, comme quoi à cause du verre bombé, en fait, de la Xiaomi Mi Watch Color, ça ne ça ne marchait pas en fait le, le verre protecteur ne tenait pas il y avait de la poussière aussi qui passait en dessous je, sur les six que j'ai eu parce que donc la société à laquelle j'avais commandé ça m'a renvoyé donc des films protecteurs et ben ça tenait toujours pas il y a que le dernier bon, en fait je ne sais pas par quel miracle on a l'impression qu'il y a peut-être plus de colle justement dessous enfin derrière et il a réussi à tenir alors pour l'instant je n'ai pas remis la Xiaomi watch Color pour voir si ça tenait donc ça tient mais en fait sur tout le contour on a quand même un petit espace et on commence déjà à voir euh, des poussières qui viennent s'installer. Donc je pense que ça fera exactement la même chose. Donc pour ceux qui ont des bracelets Xiaomi Mi Band 5 et qui ont des styles de protection comme ça, alors je sais qu'il y a plusieurs marques qui en font. Euh, je me rappelle plus la marque. Euh, vous regarderez dans mes vidéos. Hein, je sais que normalement j'ai fait une vidéo euh, pour l'installation du film protecteur sur le Xiaomi Mi Band 5. Donc c'est cela. Euh, ça ne tient pas. Il y en aura peut-être d'autres. Que vous aurez acheté pas de la même marque et qui tiendront. Donc, ne me dites pas dans les commentaires ouais mais c'est parce que tu sais pas le faire ou alors c'était pas, t'as pas eu de bol, etc. Non, j'ai comme je l'ai déjà dit, j'ai l'habitude enfin, d'installer de, des films protecteurs sur n'importe quoi. Euh, j'ai même installé film protecteur, je crois, sur un mi band 3 et qui tenait très bien, sur un mi band 2 aussi et ça tenait très très bien. Alors à part, c'était pas du verre trempé, c'était en plastique, mais ça a toujours tenu. Voilà. Donc euh... C'était la petite vidéo euh, mini coup de gueule. Donc, euh, si vous voulez mettre un, un film protecteur sur votre Xiaomi Mi Band 5, euh, limite passez votre chemin ou alors euh, essayez de mettre un peu plus cher et de prendre quelque chose qui se colle vraiment bien sur votre Mi Band 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Euh, à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions. Euh, lâchez le petit pouce qui va bien et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Allez, ciao, ciao